Salut à tous, bienvenue aujourd'hui en Normandie pour une nouvelle étape de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Je vous emmène bosser près d'Alençon chez Ariake qui fabrique ses super bouillons de volaille. Et aujourd'hui, on va bosser en compagnie de Dimitri. Salut Dimitri. Bonjour Thierry. Tu vas bien? Ça va. Eh, sous le soleil normand? Sous le soleil, c'est ça. Génial. Donc vous êtes combien ici? Une quarantaine. Et toi, tu fais quoi? Je suis technicien de maintenance. Réparation? Réparation, dépannage, entretien, tout l'ensemble. Bah, je suis ravi de découvrir ton job. Voilà. Tu vas me faire bosser. Hein. Bah c'est ça, j'ai ramené une petite tenue pour... Mon équipement. Ton équipement. Tiens, bah on échange. Et voilà. Allez, c'est parti. Bon alors Dimitri, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire un petit préventif sur un vérin. Un préventif sur un vérin? Ouais, voilà, ça c'est le vérin. Ça sert à quoi ça? Ça permet de désenfumer l'usine. Ah ok. Ouais, t'entretiens pas que les machines? Non, je fais tout. Mais voilà. T'as quoi comme formation? Moi, formation, j'ai juste un niveau mécanique auto. Bah c'est déjà pas mal. Auto, et un niveau mécanique agricole. D'accord. Dis juste, j'ai pas de diplôme à titrer ni rien du tout. En premier temps, on va se mettre dans les pieds. Ah, ok. Et on reprend un peu plus haut. Bon, il n'y a rien de compliqué. Okay. Tu as quand même des interventions plus difficiles. Oui, rassure-moi. Beaucoup plus compliqué. Parce que là, tu me gâtes, qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? En fait, ça ne nous intéresse plus maintenant. Si, à part ce joint qui est là, ouais. Les joints de tête. Et si tu mets ça comme ça, tu as l'air d'un pirate. Ah, voilà, comme ça. Ok. On va changer tous les joints qui sont ici. D'accord. Bon, et vous êtes combien dans l'équipe à la maintenance? Okay. On est 4. Et vous recrutez? Voilà. Tout le monde est le bienvenu. Et c'est pas qu'un métier masculin. Ah non, c'est féminin aussi. Donc les filles, vous êtes les bienvenues. Voilà. Ok, on va passer le message. Bon alors dis-moi les joints. Alors du coup, on va prendre des petits crochets là. Des petits crochets, l'histoire de bien prendre les joints. Alors moi j'avais vu ça chez le dentiste. Hein. Ouais, mais là, nous c'est pour les joints. Ah bon, d'accord. Donc, je les enlève comme voilà, ça. Voilà, tu les enlèves. Bon, ceux-là, ils sont abîmés. Ils sont abîmés, tu peux les enlever, il n'y a pas de souci. Et qu'est-ce qui te plaît chez Ariake en particulier? Faut être autonome au fait. Ok. Carte blanche. Voilà, c'est carte blanche. La cheminée qui est visible là juste dehors, c'est toute une confection que j'ai fait en soudure et tout ça. Ah bon? J'ai fait. Ah, tu maîtrises la soudure? Ah oui. J'ai appris à souder ici par moi-même. Pendant 2-3 jours, j'ai essayé de suivre mon affaire et puis j'ai réussi à souder. Ok. Et il y a mon chef qui m'a poussé aussi en même temps, qui m'a donné les premiers indices comment souder. D'accord. Au TIG et tout ça. C'est diversifié. C'est travail. Hyper varié. Voilà, c'est hyper varié. Okay. On peut travailler sur de la vapeur, comme on peut travailler sur l'hydraulique, on peut travailler de l'électricité. On fait de l'automatisme aussi, on fait c'est tout un ensemble en fait. Voilà, j'ai ramené plusieurs joints. Ah oui, effectivement. On va prendre les joints qui correspondent à la grandeur. Ouais. Là, on va prendre ce premier-là. Donc effectivement, par rapport à celui-là, il est un peu, celui-là, il est un peu voilà. Usé quoi. Donc celui-là, il est usé et celui-là, c'est le neuf. Voilà. On sera deux comme ça. Okay. Ah oui. Professeur, je retrouve c'est tout. Ça. Bon allez, donc je le mets là. Voilà. Ok. C'est un peu galère, non, ton truc? Ah oui, non ça va. Et c'est quoi ton rythme de travail ici? Un coup du matin, un coup d'après-midi. Mais chaque semaine ça change? Voilà, comme là, admettons, je suis d'après-midi, cette semaine je fais du 11h-19h30. D'accord. Et quand t'es du matin, c'est... Et du matin, 6h-14h30. Et la nuit? Je travaille pas de nuit, par contre. Tu dors? Non, je fais une semaine astreinte par mois à peu près. Ok. Bon, ça y est, nos joints. Voilà, nos joints sont remis en place. Ouais. On va juste rassembler ensemble quoi, en fait. Eh ben allez. Donc ça là-dedans? Ah non. Ça d'abord. Et les fourreaux? Oh, je l'aurais mis après. Ah, et ben alors, ça aurait pas passé. Ok, et ça là-dedans? Voilà. D'accord. Ok, il est bon là? Il est bon. C'est bien parti. Oh là! Appel production. Ah, vas-y. Oui? Une urgence? Une machine qui est tombée. Bon, on va y aller. Donc, on prend la caisse? On va prendre la caisse, puis on va partir directement. Allez. On arrive. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là, Dimitri? Bah là, on va faire un tout petit dépannage. Ouais. On va contrôler si la lame est propre et puis si elle coupe bien les sachets. Ok. Ouais. Jean-Marc nous a arrêté la machine. Ok. Ça va permettre que nous, on va pouvoir contrôler déjà. On peut l'ouvrir. On va l'ouvrir tout en sécurité. Ah oui, d'accord. Okay. Alors, du coup, hop. Ouais. On fait ça. Ok. C'est bien. Hein? Et après, elle est où? Et la après, la lame, elle se trouve là en dessous. Ah oui, d'accord. Bah, déjà, la lame, elle est mal réglée. Et tu la nettoies. Et du coup, là, on passe en dessous. Ok. On est bon, on remonte. Tout ensemble. Ok. Point de repérage était à 70. D'accord. Et c'est tout. Donc là, on est bon. On peut remettre en route. Voilà. De préférence mécanique, c'est ce que je préfère. Réparation pour moi. Bah, autant chercher la difficulté. Ah, matin. Comme ça, on a toute l'après-midi pour faire ce qu'on fait. Bon, Grand Turismo, sport automobile, c'est toute la vie, ça. Bah, ici, on fait les deux. Mais moi, ma préférence, ça serait plus la viande, quand même. Bon, Dimitri, chin, à la tienne. À la tienne. Merci pour la dégustation. Pas de rien. Et pour la découverte de ton job. Maintenant, je saurai ce qui se passe à l'intérieur.
Donc toi, c'est quoi ton préféré? Moi, mon petit préféré, c'est... Le thaï. Le thaï. Ok, super. Bon, et si vous aussi, vous avez envie de venir bosser ici à la maintenance chez Ariake, il recrute dans l'équipe de Dimitri. N'hésitez pas, postulez. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Et n'oubliez pas, Dimitri, likez la vidéo et abonnez-vous.